Donc, le boss est battu. Nous avons notre incubateur qui est ici. Et on va voir si on peut eh bien, faire incuber nos œufs. Où sont-ils? Où est-ce que j'ai casé les œufs? Là. Alors, grosse question. Là. Et donc, c'est 5 minutes, vitesse d'éclosion plus 100%, c'est très confortable. Alors, je peux pas en faire plusieurs des trucs pour éclore. Ah, si, incubateur, je peux en faire un autre? Ah, je peux en faire un autre, attends. Attends, je vais en faire un deuxième. On va faire une couveuse. Peut-être pas au même endroit, du coup. Si, je vais faire les deux côte à côte, regarde. Bah, c'est très confortable, en plus, il y a un feu de camp à côté, donc tu m'étonnes que c'est très confortable. Évidemment que c'est très confortable. C'est au chaud, on est au bon endroit. Tout le monde est là pour chouchouner les petits œufs. J'ai trop hâte de voir ce qui va en sortir. J'ai trop hâte. Ok, alors attends. Le principe de Palworld, c'est un peu comme Pokémon, on va dire ça comme ça. Sauf que, donc tu peux capturer tes petits monstres, etc. Tu peux les faire les battre pour toi. Mais en plus de ça, eh bien, tu vas pouvoir les taper toi-même. Terrifiant. Et les réduire en esclavage dans ton camp. Voilà. Pour qu'ils puissent bosser pour toi et planter des graines et faire plein de choses. Et voilà. Et par-dessus, t'as une composante à la arc, donc une composante un petit peu de survie où tu vas pouvoir, eh bien, je vais mettre les œufs. Tu vas pouvoir gérer tout ton camp. Voilà. Ouais, un petit dictateur sadique, c'est un peu ça, voilà, c'est un petit peu ça. Oui, un petit peu, voilà, un petit peu. C'est un petit peu ça. Alors. Est-ce que je vais réussir à en mettre... Ça, par contre, c'est mal fait, je trouve. Bon, je vais devoir le mettre là-dedans, tant pis. Je vais garder les baies, les champignons, je dois pouvoir les cuisiner. Je vais mettre les œufs, le steak... Plan d'armure en fourrure chauffante 3. Est-ce que je peux l'utiliser quelque part ce truc là? Ah bah voilà, c'est ça. Voilà ça. Gants. Ah oui, tiens, il me faut du tissu. Normalement, je dois pouvoir faire ces textiles. Ah ouais, c'était le textile que j'avais mis là. Je dois pouvoir faire du tissu. C'est avec quoi le tissu? Ah, je peux faire un ranch. Ah, c'est vrai que je peux faire le ranch pour qu'il fasse des bébés aussi. Oh, dis-moi que je peux le mettre là, s'il te plaît. Dis-moi qu'il y a la place. Dis-moi qu'il y a la place. Putain, il n'y a pas la place. Oh là, bon, j'ai eu peur. Il est en train de dormir. Il faut que je fasse un ranch. Non, il faut que j'améliore la taille de mon... Il faut que j'améliore la taille avant, en fait. Je le mettrai par là. Je pense qu'on aura la possibilité de le mettre ici. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes pour ça. Le feu sur le plat, il est en train de se faire. Il fallait... Bah, juste la marmite en plus. La marmite, c'était quoi pour la faire? Technologie, marmite, marmite, structure, marmite, 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 nourriture, marmite, voilà. Cuisiner. Et bah, je vais le mettre à la place de ça. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Et bah, on va le mettre, je sais pas, on va le mettre là, regarde. On va mettre ça là. Allez, marmite. Et comme ça, je pourrais agrandir la base après. En fait, il y a des conditions de craft à faire pour agrandir la base. Qui sont du coup des crafts de mobilier, en termes généraux. Par contre, je vais peut-être juste glisser un tout petit peu l'écran vers le haut pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, parce que du coup, je suis en 16 dixième, comme vous le savez, sur mon ordinateur. Et donc, je ne peux pas changer la résolution de ça. Donc voilà. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Bon, vous voyez pas toutes les missions en haut, mais c'est pas bien grave à la limite. Comment je vais faire? Attends, je regarde un peu. Si je peux mettre des toutes petites bandes noires sur les côtés. Voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux, peut-être. J'avais réussi à bien le faire tout à l'heure. J'avais réussi à bien le présenter, c'est dommage. Là, ça me paraît bien, voilà. Voilà. Choix de la recette. Bah attends, je vais peut-être récupérer d'ailleurs les trucs que j'ai mis ici. Regarde, annulé. Du coup, je vais peut-être pouvoir également... je peux pas le démanteler, le feu. Si je peux. Démanteler mon petit feu.
Je vais laisser ça ici. Et à ce moment-là... Ah bah voilà, je peux faire des recettes en plus ici. Regarde. Vas-y, lancez la production. Et du coup, ça va être le mec qui va s'en occuper. Okay. Alors, 13 secondes avant l'éclosion. Voyons voir. Éclosion terminée. Maintenir pour incuber l'œuf. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est un toco toco. Ok, bon. Mouais. Mouais. Bon. Bon, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais le démanteler, ce truc-là. Voilà, parce que du coup, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Ah oui, mais attends, du coup... Attends, il est sur moi, le truc? Ah, j'ai trop de choses. J'ai trop de choses sur moi. Ah oui, j'ai les pièces de civilisation antique qui sont là, qui sont... Ah, c'est le... Je vais mettre ça, attends. C'est ça qui pèse un peu lourd. Ok, super. Je vais aller stocker des trucs. Faudrait que je fasse un stockage, un coffre en métal. Je vais le mettre ici. Je vais mettre le coffre en métal, genre là, qui permettra de stocker mes ressources de bois. Et regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Alors, faut que je le construise d'abord. Et on va stocker toutes les ressources. Comme ça, on aura vraiment deux gros coffres. Ça peut être pas mal. Et j'irai bien voir la tour du syndicat de Rain pour voir un peu ce que ça nous peut nous donner. Alors, on va stocker... bah écoute, je vais stocker un peu tout, de toute façon, peu importe. Je vais stocker un peu tout ce qui m'embête. Ouais, tout ce qui m'est pas utile, je le mets dedans. De toute façon, ce qui est agréable avec le jeu, c'est que ça te sélectionne dans le camp tout ce qui est à proximité. Donc c'est pas mal. Ah, je suis un peu trop loin du truc. Je suis à 755, oui, forcément. Et forcément, j'ai masse de pierres de sur moi. Non, on va pas les abandonner, t'es fou. Voilà, super. Donc, reprenons. Ah bah du coup, le coffre est déjà plein, la vache. C'est quoi pour faire un coffre? 12 lingots de... Ah, du métal, il faut du métal, un peu plus. Ah, décidément, les coffres... Bah très bien, regarde, j'ai ce qu'il faut. Il faudra qu'on chope du métal absolument. On va faire deux gros coffres ici. On va faire deux gros coffres. Ça sera très bien. Vas-y. Ils sont mignons avec le marteau, les petits, regarde. Et je vais améliorer la taille de mon camp aussi. On pourra mettre un pal à travailler de plus. Ça sera très bien. Je vais peut-être mettre un pal de feu d'ailleurs. Ça peut être pas mal. Ok, allez, je stocke tout ça. Voilà, ça c'est très bien. Je vais finir de cuisiner. On va mettre tous les œufs, maximum 216. Et améliorer le camp au niveau 11. C'est excellent. Il nous faudra l'établi pour armes à construire pour le prochain. Je peux mettre un pal supplémentaire. Alors j'en ai deux de feu. Je vais en mettre un troisième. Attends, je vais mettre un deuxième d'eau. Parce qu'en fait, j'en ai pas de un deuxième en eau. Regarde lui. Attends. Non, l'eau c'est eux. C'est lui. Vas-y, je le mets en plus. Voilà, on aura deux en eau. C'est pas mal. Lui, il nous fait les petits plats. Eux, ils récupèrent du... de la pierre. Lui, il me récupérera du bois. Attends, je vais peut-être le récupérer pour le bois aussi, ça peut être sympa. Ok, j'ai toutes les caisses là qui sont là. Si, il fallait que je fasse des sphères en plus. 53 sphères, c'est très bien. Ah, la poudre à canon, ça peut être pas mal pour plus tard. Minerai de fer, il m'en manquera. Faudra que j'aille en chercher. Je peux continuer à faire des flèches. Il va en falloir quelques-unes pour y aller. Ah, il me faut un lit supplémentaire pour un de mes pales aussi, évidemment. Alors, attends. J'ai plus de place à l'intérieur de la maison aussi. Ah si, je l'ai agrandi. Ah mais si, c'est vrai qu'on a fait agrandir la maison. Excellent. Infrastructure, lit en paille. Voilà, regardez, on a suffisamment de place. Je
peux même en faire un en avance. Je vais en faire un d'avance. C'est quoi, je vais même en faire quelques-uns d'avance si je peux. Je suis pas sûr de pouvoir en rajouter un autre là. Non. Bon, il y en aura deux. Très bien. Il y en aura un d'avance pour plus tard. Ça serait très drôle ça, installer un setup gaming dans la chambre d'hôpital. Tiens. Je te jure. Baies grillées, et bah excellent. Je vais stocker les baies grillées là-dedans. Je vais prendre. Ouais, ça me paraît bien. Je vais prendre les baies qui sont là. Ah oui, on a notre éclosion qui est terminée aussi. Ok, et voyons voir, attention! Et c'est un. Oh, est... ouais, très bien, bah, c'est excellent. Du coup, je vais voir un petit peu quand ça éclot. Est-ce que. Ouah, wow, on en a tellement. Alors, ça, c'est le Toco Toco qu'on a récupéré. Qui est au niveau 1 du coup. Lance-œuf explosif, c'est pas mal. Hein. Putain, j'en ai plein à vendre. Ah, j'ai le braconnier qui est là. Ah, j'ai un braconnier. Comment ça se passe du coup pour le braconnier? Faudra que je vois. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah oui, ça, c'est le boss que j'ai récupéré. Attends. Je le prends avec moi à la place du fouac. C'est les raies normalement. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû lui mettre le harnais. Non? Ah non, c'est le planeur lui. Attends, on va choper celui sur lequel on a mis le harnais. C'était lequel? C'était lui, c'était Nightwing, je crois, sur lequel on peut voler. Je crois que c'est lui et Nightwing. Il me faut du tissu et lingots de métal et éclat de palladium. Ok, tissu. Alors le tissu, comment je fais le tissu déjà? Il n'y a pas genre un truc spécial pour le tissu? Autre. Ça c'est autre chose. Caisse à outils. Ah, ça peut augmenter la vitesse, ça peut être pas mal ça. Tissu. Je peux pas le faire genre au plan. Est-ce que je peux faire le tissu là ou c'est sur un autre truc? Attends, annuler. Voilà, récupère tout ça. Tissu, voilà, c'est ici. On va en faire pas mal. Bon, tu sais quoi, je vais même en faire... Je vais en faire 50. On va lancer la production de tissu. Je peux peut-être réparer ça. Voilà, on va réparer ça également. Ça me paraît pas mal. Ici. Ah, je peux faire du tissu encore ici. Ah, c'est le gros bouclier qu'il va me falloir, moi, surtout. Hello à ceux qui débarquent. Hello. Ok, je vais faire ça pendant ce temps-là. Bon, le camp tourne bien. Il me faudrait un pal de feu supplémentaire, là, parce qu'ils sont en train de faire la cuisine. Le problème, c'est qu'il m'en faudrait un pour faire le tissu. Je le fais moi-même, sinon le tissu... Ah bah tiens, très bien. Viens m'aider. Ouais, super. Ah bah si, c'est bien. Regarde, il le fait. Ah mais non, c'est pas... Pourquoi je disais le pal de feu? Pas du tout. Bon, allez, très bien. À pouvoir faire le harnais, normalement, on devrait pouvoir voler avec lui. C'est ça que je voulais faire dans l'épisode à la base. J'ai l'impression que les épisodes, c'est genre vraiment 20-25 minutes de gestion du camp, 20-25 minutes d'exploration. Ce qui est pas mal, je trouve. Ouais, c'est assez abouti, il y a beaucoup de trucs dans tous les sens, et c'est assez chouette. C'était combien de tissus qu'il nous fallait? Je sais plus, enfin, je vais en faire encore un peu, on sait jamais. De quoi, Titi? Il est en train de me faire les balles derrière. Ouais. Ok, bon. Là, j'ai le boss avec moi. 9 et 10. Ok. Et je vais aller voir pour le harnais. Putain, il est beau celui-ci. Oh. Oui, d'accord. Je comprenais pas où est-ce que tu voulais en venir. Il nous faut des lingots de métal et des éclats de palladium. Alors attends, je vais aller chercher du lingot de métal. Je sais où il y en a. Je sais où il y en a. Alors la nuit est en train de tomber. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a 88. Allez, boum, tiens, viens là. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y en a déjà qui est revenu ou pas? Non, pas encore. Boum. Donc ça, c'est de la pierre. C'est toujours de la pierre ici. Je pensais qu'il y a un truc en face là-bas, peut-être.
Ah, coffre, cool. Ok, alors, on va voir. Flèche, pièce d'or et méga sphère, ok, au cas où. Je sais qu'on va pouvoir crafter les gigasphères dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a par ici? Salut les gars. Ne vous inquiétez pas. Reste là. Reste là, Bernard. Tiens, bah très bien, c'est ça qu'on cherche. Oula, c'est quoi derrière? Ok. Boum. Boum. Allez, hein. Parfait, on aura du métal. Arrête, tu le fatigues. Ben, je commence à avoir l'habitude de tes messages. Donc ça me fait sourire. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Mais ça va à l'hôpital en vrai? Ah, mais du coup, t'as dû avoir la nourriture magnifique des hôpitaux. T'as dû te faire plaisir. Un vrai sens de la gastronomie à l'hôpital. Alors. Ok, ça c'est fait. Je prends les baies. Ah, j'avais pas rechargé. Bon, t'as bien de la chance, toi. C'est la fête, bah tu m'étonnes. Ouais, ouais, ils sont très doués pour ça. Et les baies suffisent toutes seules. Hein, à la pointe de la gastronomie française. Bah tu m'étonnes. Bah évidemment. Ils sont très très doués. Attends, tu vas me dire, ils sont pas là pour ça. Si on faisait de la meilleure nourriture, les gens voudraient rester. Donc bon, c'est pas le but. Ah bah c'est pas ça que je voulais faire. Bon. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce message que je reçois en même temps? Votre commande a été livrée. Bah super. Bah ouais. Bah oui, la preuve. Ils ont dû le laisser à la réception. Je me suis fait fâcher comme un enfant parce que je suis sorti de ma chambre. Bah oui, bah tu sors pas de ta chambre. Non mais oh. T'es à l'hôpital, pas au moulin. Évidemment. Non mais. Je sais pas où je suis en train d'aller là. C'est pas forcément le meilleur plan du monde ce que je suis en train de faire. Ouais, non, mais c'est pas le meilleur plan. Allez, tranquille. Il nous manquait du métal et des cristaux. Hein. Je vais aller chercher des cristaux aussi. Ok. On a quelques pales qui sont là. Ah, très bien, on a du métal ici. Excellent. Ok, je récupère. Voilà. Merci Seth. Merci beaucoup pour ton 11e mois de sub. Merci beaucoup. N'hésite pas d'ailleurs, je vois que ça fait donc 11 mois que t'es sub. Si jamais t'as envie de passer en sub de niveau 1, ça aiderait de ouf la chaîne. Allez, normalement il rentre. Normalement il rentre, voilà. Ok, on est bon pour ça. Bon, par contre, on est full là. Ouais, je vais pas pouvoir me déplacer trop. J'ai plus pouvoir courir. Au pire, je fais un coffre ici. Je veux pas construire un coffre. Regarde. Je fais un coffre. Ici. Voilà. Pourquoi pas, tu vois? Bah je sais pas, alors c'est peut-être avec le subprime, Anna, je ne sais pas. Si tu le sais pas, c'est que t'es en subprime, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, c'est les pierres que j'ai récupérées. Ah, c'est ça qui pèse lourd. Hein. Ah non, ok, bon, bah, je sais pas. Bah, de toute façon, oui, avec tout ce que j'ai déposé pour construire, de toute façon. Ok, bon, allez, let's go. Ok, c'est ça qu'il me faut. Ok. Alors, éclat de palium. Je pense qu'on est bon en éclat, non?
Alors. Il y a du monde là en plus. Il y a pas mal de monde. Hein. Attendez, on va peut-être essayer de les choper. Ça fera du bien à notre expérience de joueur. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Ah, ça suffit maintenant. J'en ai claqué combien, hein. Punaise, mais ils veulent pas rentrer, hein, c'est fou. Attends, c'est incroyable. Mais attends, mais c'est pas possible. C'est un délire. Bon, allez, vas-y, tu m'as saoulé. Allez, dégage. Ah, ça t'apprendra. Ah, ça m'intéresse. Non, mais ça, par contre, j'en ai claqué beaucoup, j'ai l'impression. Mais alors, c'est pareil. J'en ai trop. Je vais récupérer un max. Voilà, et puis je vais faire un coffre s'il faut. Comme ça, on aura des coffres un peu partout. Ah, je vois, j'aime plus de bois. J'ai plus de bois. J'ai plus de bois. Et... au pire, la pierre, je peux l'abandonner. J'en ai pas besoin de la pierre. Ah, c'est pareil, c'est pas ce qui pèse le plus. Ah, le métal, il pèse lourd quand même. Waouh. Ça pèse tellement lourd. Je peux le jeter mon bois. Oh, même pas. La vache. Attends. On va faire ça. Mais je peux même pas me déplacer avec celui-là. Je porte trop de choses. Il faut vraiment que je développe mon poids porté, hein, parce que ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. J'ai jeté le textile. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Alors j'en attaque quelques-uns. En espérant que le fait que je m'en débarrasse, ça les fasse venir. Peut-être. Ah, je peux même pas faire mes attaques tellement je suis chargé. Laisse tomber. Ah, il pop en plus là. Allez, vas-y, viens là. Bon, en vrai c'est bien, on avance pour l'XP. Bon, par contre, je vais devoir lâcher des trucs absolument. Parce que là. Ah, mais j'ai 60. Bon, bah écoute, on va lâcher la moitié, je reviendrai le chercher. Je reviendrai le chercher. De toute façon, je suis juste à côté là. Ok, c'est ma dernière. Je vais revenir. On va faire l'aller-retour. Allez hop. Bon. Sans comme ça, je stocke le métal ici et j'en reviens. Il faut vraiment qu'on développe ça. Ça va pas du tout. Je crois que mon coffre est plein en plus derrière là. Mon coffre il est... Ah non, il est pas blindé, c'est bon. Je peux peut-être stocker des trucs. Salut à ceux qui débarquent. Hello. Stocker. Ok, je garde tout ça à la limite. Non, je peux stocker ça ici. Regarde. Ça et le tissu, je dois pouvoir le mettre quelque part. Ouais, j'ai un peu de place ici. Voilà. Là, j'en ai plus du tout. Faut que je les fasse aussi.
Bon, tous mes pales sont en forme. Le truc, c'est que... Bon, j'ai claqué tellement de sphères pour rien. Qu'est-ce qui nous manquait? Attends, j'étais cherché à faire quoi déjà? Oui, c'était le... C'était ce truc là-bas. C'était ça qu'on voulait faire. Il nous manquait juste des lingots de métal. Bah nickel, écoute. Il nous manque des lingots et on est bon. Le temps que ça se fasse. Tiens, viens là toi. Hop là. Écoute, le temps que ça se fasse, on est bon. Je vais chercher mon métal quand même, je vais faire l'aller-retour. On va faire l'aller-retour et puis on sera good. Est-ce que par hasard, j'aurai ma télécommande quelque part là? Super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre pas mal. Attends. Faudra qu'on essaye les autres. À la limite, les grandes. Les espèces de Super Bowl là. Ça peut être pas mal. Hein. En termes de pierre, on doit avoir ce qu'il faut aussi. Ok. Bon, je le stocke tout là-bas. Bon, notre camp commence à ressembler à quelque chose petit à petit, je trouve. Je vais stocker le métal. Je vais stocker les sous. De toute façon, les sous, et ça reste dans notre poche. Tenir. Ok. Bon, voyons voir. Les œufs, c'est 128 œufs. Ça va tranquille. Je vais les mettre dans la. Je vais les mettre ici, là. Comme ça, ils mangeront des œufs s'il faut. Ça, je garde ça sur moi. Non, le camp vit bien. C'est chouette. Ok, il nous en manquait un petit peu plus encore. Excellent. Est-ce que je ferais pas l'aller-retour pour aller chercher le métal hein, tant qu'on y est? Vas-y, let's go. Comme ça, on sera bon. Je l'avais casé où? T'es pas censé être de nuit, toi? Je l'ai pas eu. Voilà, super. Je pense qu'il va... non, pas de version PS5 prévue pour l'instant, non. Malheureusement. Peut-être dans l'avenir. Mais pour l'instant, non. Malheureusement pas. Mon métal doit être par là. Je l'avais casé où? C'était où? Ah merde. Pas par là? Le jeu est bien cool, ouais. Ouais, je suis désolé qu'ils sortent pas sur PS5. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ils vont peaufiner la version PC et... En fait, je pense que... Il sort sur Xbox pour être dans le Game Pass. Ils ont dû travailler dessus avec l'argent de Microsoft, puisque Microsoft leur a donné des sous pour que ça puisse sortir sur le Game Pass aussi. Je pense qu'ils ont flairé le truc. Ce qui fait que sinon, à mon avis, il serait sorti que sur PC, je pense. Attends, j'ai perdu mon métal. Ça m'embête, ça. C'est pas ça? J'ai dû le perdre quelque part. Non, mais après le truc, il faut aussi se dire que c'est une early access aussi, donc c'est une prise de risque hein, pour une plateforme de prendre ce genre de jeu, hein. Comme Microsoft aussi, parce que Microsoft il sera dans le Game Pass, donc c'est un risque minime, mais ils ont payé quand même. Steam, je sais que par exemple là, voilà, ils ont eu quand même pas mal de problèmes avec comment il s'appelle. The Day Before, ou je sais pas quoi, là, il y a pas longtemps, qui était un pur scam. Et pour vous dire à quel point les développeurs de Palworld avaient très très peur des retours, c'est qu'ils ont été obligés de faire un communiqué pour dire que leur jeu, qui est en early access du coup, n'est pas un scam. Parce qu'il y avait cette peur autour de ce qui s'était passé avec The Day Before, tu vois, qui paraissait trop beau pour être vrai, etc., etc. Donc ils ont été obligés de faire un communiqué pour ça. Et c'était fou. C'est fou d'avoir été obligé de faire ça. Mais voilà. C'est la chose à savoir aussi par rapport à eux. Ah bah ouais, mais j'y suis pour rien, Mania, malheureusement. Malheureusement, je n'y suis pour rien. Mais c'est gentil. Faudra devenir sub un jour, si tu peux, ce sera plus simple, en vrai. Parce que sinon, ouais, je comprends. Alors attends, travail manuel requis. Est-ce que j'en ai pas qui pourraient m'aider pour ça?
Ben ouais, ils ont été obligés de rassurer les gens pour ça, évidemment. Ah, la selle, j'en ai absolument besoin, c'est pour pouvoir le ride. Ils sont tous occupés là, mais pas là. Ah, je crois qu'ils sont tous occupés, ouais. Oh, mais ça met trop de temps comme ça. Attends. Est-ce que je peux pas changer un peu? Genre, lui, je le remplace par. Je le remplace par la poule. Et lui, je le remplace aussi par la poule pour l'instant. Et vous voulez pas venir m'aider, les poules, là? Normalement, elles ont les compétences de travail manuel, non? Ah non, c'est le pâturage qu'elles ont, les deux poules. Attends, les deux poules, c'est le pâturage qu'elles ont. Voilà. Lui, il l'a. Et c'est le coup de main que je cherche. Voilà. Et lui, il l'a aussi. Vas-y, il me faut ça. Merci, Ced. Oh, Ced qui a offert un sub à Mania. Merci beaucoup. Mania qui n'aura plus de pub, du coup. Merci, Ced. T'es adorable. Les deux ne viennent pas trop m'aider, là. J'ai fait ça pour qu'ils viennent m'aider, mais du coup ils sont partis récupérer et récolter des trucs. T'es adorable. Hein. Merci. Ok, donc en fait. Fox Park a produit 85 baies grillées, bah non. Ah mais la selle, elle prend tellement de temps. Par contre, je vais pouvoir faire le fusil là apparemment là-dessus. Je suis en train de capter que je vais pouvoir faire le fusil à un moment. Bon, par contre, la pierre, on a ce qu'il faut. Hein. On va aller vendre des. On va aller vendre. Tu sais quoi, je vais les laisser travailler. Et on va aller vendre des trucs. On va aller en vendre certains. Je vais quand même le mettre au bois. Je vais le mettre au bois, lui. Je vais. Donc, ça, c'est bon. Je vais en laisser un au feu, quand même. J'en ai pas un autre de feu? Non. Allez, hop, c'est très bien. Hop là, j'en mets deux au feu. Ça, je suppose que quelqu'un m'aidera. Il faut également que. Oui, alors le pal, là, je sais pas ce qu'il fait lui. Renforcer les capacités. Oui. Voilà, j'ai fait l'amélioration, donc ça c'est bien. Renforcer les pales. Est-ce que je peux ou pas? Oui, je peux. Ah oui, mais attends, c'est quoi ça? Ça, je le fais ça avec quoi? Possible d'offrir des âmes de pales pour améliorer. Et oui, c'est ça en fait, c'est avec les âmes de pales que je fais ça. C'est avec les âmes. Bon, je vais pas tout utiliser en âme, ça m'embêterait. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai pas mal de petites choses, je vais peut-être les stocker pour l'instant. Et on va aller vendre des pales. Ok. Allez, on va faire des trucs aussi. Là, il y a du bois, vraiment, on va les laisser s'en occuper. Ça, il m'en faut un peu. Il m'en faut même pas mal. Ok, vas-y, fais-les-moi, s'il te plaît. Moi, je vais peut-être t'aider, ça va aller plus vite, d'ailleurs. Allez, vas-y. Mais reviens. Il est où, lui? Ouais, j'ai les coffres en métal, hein, qui peuvent contenir deux fois plus, et ça change tout. Ça change vraiment tout. Allez, vas-y, hop. 15, 16, 17. Parfait. Est-ce qu'on se ferait pas des méga sphères pour voir? Vas-y, on va se faire 8 méga sphères. On va tenter. J'en ai pas encore utilisé. Ouais, ça donne pas beaucoup plus de trucs. Au pire, ça me permettra de capturer des plus grands. On essaiera. Bon, on est au niveau 20. Je rappelle que le pal, les gros pales qui sont près du camp sont au niveau. Attends, non, je vais les laisser. Ils sont au niveau 32, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais réparer ça. Ah, j'ai plus de lingots de métal. Voilà, 17 lingots. Ok, ça veut dire qu'il va venir le faire. Là, j'ai rien. Ça, je peux faire ça, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Ok, on va être bon. Je pourrais pouvoir partir un peu en explo. Ouais, elles sont plus efficaces. Plus efficaces, ouais. Bon, bah écoute, on va y aller comme ça. J'ai des flèches ou pas? 91 flèches. J'ai pas beaucoup de nourriture. Je vais en prendre un peu. Bah, les baies grillées. Hein, je prends les 85 baies grillées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse sur la selle ou pas? Personne. Personne ne bosse sur la selle. Bon, on verra plus tard. Allez, viens. On va aller explorer un petit peu. On a passé beaucoup de temps au camp, là. Ce qui est normal quand même. Attends, mais tu sais que j'ai le pal que j'ai capturé, que j'ai pas encore utilisé, lui, hein, regarde.
Oh là là, regarde-moi ça. Il est beau quand même. Il est quand même chouette. Hein. Il était au niveau combien? 23, tiens. Ah, 23, ça va être un peu short. On va aller dans les ruines du fort. Je vais essayer d'aller par là pour voir ce qu'il y a. Il est au niveau combien, lui? 15. Ah, bah attends, on peut aller voir lui. Ok, on va essayer d'aller le buter. On va essayer d'aller buter un autre boss. Oui, Titi, ouais. Ouais, ouais, je stream ce soir. Ok, je vais aller essayer d'aller d'aller buter le boss qui est là-haut. Alors, c'est dans l'autre sens, du coup. On va essayer d'aller le choper. On va se mettre là-dessus. Vas-y, viens là. Allez, c'est parti. Bon, j'en ai 42. On va faire attention à ce qu'on fait. D'ailleurs, attendez. Je vais quand même récupérer des éléments importants. On en a besoin. Tiens, bah attends. Très bien. Ouais, il y a pas mal de monstres. Je vais éviter de tous les buter quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer des trucs. Ah, mais il y a une ville là en plus. Non, c'est une des ruines. Ça, il nous en faut pour faire les Pokéballs. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Oui, j'ai un pal qui vole, mais pour l'instant, le harnais n'est pas encore fini de construire. Donc à mon avis, on l'aura pas dans cet épisode. On testera ça dans le prochain. À mon avis, ça sera dans le prochain épisode qu'on pourra tester le ça. Ok. Ouais, 95%, il va rentrer sûr. Ok, ça c'est cool. Ça, c'est des lambales qui sont là. Ouais. Bon, je capture quand même. Il faut qu'on aille les revendre. Hein. J'arrête pas de le dire, mais il faut qu'on aille les revendre. Hein. On va aller les revendre. Ouais. Okay. Bon, s'il rentre pas, tant pis. Et s'il rentre, tant mieux. Enfin, il s'est échappé. Tant pis. Il est. Ok, il va être sur la droite. Ah tiens, il y a un coffre là. Ah non, c'est une petite statue cool. Okay. Ouh, il y a des braconniers. Ah, c'est une carte. Okay. Il y a des braconniers. Allez, on y va. Ah oui, c'est un camp de braconniers carrément. Et je vais essayer d'en capturer un pour voir. Enfin, je vais essayer de les recapturer. Si j'arrive à en capturer un deuxième, ça serait incroyable. Oh là là, il passe. Incroyable, j'en ai capturé un deuxième. Génial. Incroyable. C'est drôle. Je trouve ça génial de pouvoir les capturer. Par contre, j'ai récupéré des balles de fusil d'assaut avec eux, donc c'est bien aussi. Il faut que j'aille voir pour le boss aussi. Attends, ah mais il y a des... Oh, il y a un pal qui est captif. Maintenir, relâcher le pal. Bah évidemment. Et du coup, il me rejoint ou pas? Et voilà, capture réussi. Du coup, il vient avec moi. Ok, ça c'est sympa. Ça c'est cool. À point de statut disponible, j'avais pas vu augmenter le poids actuel. Ah bah 800, hein, vas-y, hop là. J'avais pas pensé à le faire, on est bien. On peut capturer des humains, ouais. on a découvert ça. Bon, 800, on est bien pour porter des choses, là. On pourra transporter plein de trucs. Et il doit y avoir des nouveaux monstres par ici. Est-ce que je peux y accéder par là, ou est-ce que je suis obligé de... Ouais, je vais pouvoir grimper. Écoute, on va y aller à pattes, au pire. Allez, viens là. Ça, il m'en faut. Ah, et par contre, là, la limite d'endurance, ça fait du bien, je pense. Hein. Parce que là... Pas d'endurance, la limite de portée, de poids. Parce que là, enfin, on va pas avoir de problème, quoi.
pouvoir ramener tellement de choses. Allez hop. Ah tiens, il y a un peu là-bas. Est-ce que je l'ai capturé lui ou pas? Non, Capriti, je crois que je l'ai pas. Je l'ai pas lui. Ah, j'avais voulu le capturer mais j'avais pas réussi. Ouais, c'est ça. J'avais pas réussi. Ok, j'espère qu'il va rentrer, ce serait cool. Vas-y, je le tente encore. Ah, tu rentres là quand même. Punaise. Allez, rentre. Je te relance une sinon. Vas-y. Ok, il rentre. Allez hop, ça c'est fait. Je l'avais pas lui. Super. On verra ce qu'il peut, ce qu'il peut faire. En termes de faim, j'ai un poil faim. Lui aussi, et lui aussi. Ok, on est bon. Ah, il y en a un autre ici. On va essayer de le choper. Ah, il est niveau 11 en plus, lui, par contre. Après, ça va, je suis niveau 19, hein, normalement. Ah, bien joué, l'esquive. Allez, viens là. Mais il est pas recapturé. Il est pas recapturé par moi. Il s'est joint à moi, en vrai. Tu vois. Il s'est joint à moi. Ok, il y a quoi ici? Parce que concrètement, il aurait pu s'enfuir. Hein. Il aurait pu partir. Moi, je l'ai juste libéré, Eupal. Tu vois, c'est lui qui a décidé de rester. Ah, évidemment, ça rentre. Ah si. Ah, peut-être. Peut-être. Attends. Ouf. Vas-y. Ouf, la vache. Ah, ça va, j'ai mon bouclier. Il faudrait qu'on fasse... Oh, un nouveau. Je le connais pas, celui-là. Je le connais pas. C'est un... Un sanglier. C'est un petit sanglier trop mignon. Oh, ah, il rentre pas. Ok, celui derrière, il rentre. Allez, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Et on est passé au niveau 21. Excellent. Alors, voyons voir. Technologie. Oui, technologie, qu'est-ce qu'on peut choper comme technologie supplémentaire? Il y a la marmite, accroître la vitesse de travail. Ah, l'établi pour armes, c'est ça qu'il nous faut. Ça y est, on a le fusil. Ah, on va avoir le fusil. Oh là là, on va enfin avoir le fusil. Oh là là, incroyable. Ok, il faut qu'on se fasse le fusil. Ok, prochain épisode, on le fait et on chope le fusil. Ça va être trop bien. Ça va être beaucoup trop cool. Oh, ça va être du joli dans le prochain épisode. Allez, ça rentre. Voilà. Hop là, viens avec papa. Et je chope du cuir en plus et de la viande. Parfait. Je suis pas en train d'aller... Ah si, j'ai un point de TP là-bas. Ouais, non, mais attends. Si, je vais aller choper le point de TP quand même. Ça peut être pas mal. Ah, c'est trop bien qu'on ait débloqué enfin le fusil. Je suis trop content. On va enfin débloquer des bonnes armes. Qui vont être intéressantes pour la suite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, je voudrais, à la limite, dégager tout ça. Voilà. Voilà, merci. Allez, je vais aller par là, en récupérer d'autres. On est comment en limite de poids là? Juste pour voir, juste pour savoir. On est à 416 sur 600. Ah, je pensais que c'était 800, zut. Ah zut, je pensais que c'était 800. Bon bah c'est déjà bien 600, j'aime bien. Je pensais que c'était 800. Hein. J'ai rêvé ou quoi? Forcément. Ah mais parce que je l'ai pas fait. 650, ok, bon. Non, 850, ça y est, ça affiche 850 maintenant en bas. Bon, c'est le truc qui a bugué pendant 2 secondes en fait. Super. Ah, je l'aurais mis dans autre chose si je l'avais su. Si j'avais su que ça buguait. Oh, braconnier. Boum. Allez, pour le plaisir. Ah, ça passera pas. Bon, allez, tiens, cadeau, regarde. Bam. Merci, salut. Goodbye. Ok. Qu'est-ce que c'est ça?
Oh, c'est quoi ça? C'est de nouvelles ressources? C'est quoi ça? Attends. Qu'est-ce que c'est comme ressource? Ah non, c'est du métal! Ah bah attends, il y en a plein en plus! Excellent! Bon bah écoutez, ça m'arrange. Ça m'arrange! Ah, j'aime blinder de métal. Ah, j'ai cassé mon arme. Punaise. Ah, fichtre! Bon, c'est pas grave. Normalement, on a le point de TP qui est pas loin. Oh, c'est quoi celui-ci? Attends. Oh! Incroyable! C'est un méganium! C'est un méganium! Si, c'est méganium. On l'a reconnu. On t'a reconnu! Église désaffectée découverte. Ok. On t'a reconnu, méganium. Sors d'ici! Oh, il fait mal. Alors lui, il m'intéresse dans l'équipe. Toi, tu m'intéresses, mon cochon. Non, le but pas. Dis-moi que ça passe, sinon je change de pale. Je vais essayer la méga sphère pour voir. Boum, vas-y, méga sphère, dis-moi que tu rentres. J'en ai claqué une. Punaise. Je vais réessayer avec une pour voir, au pire. Allez, vas-y. Là, ça commence à 54% avec celle-ci. Et t'as intérêt à rentrer parce que sinon je suis dans la merde. Oh, il est rentré. Parfait. Excellent, excellent, excellent. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc l'église désaffectée est là. Il doit y avoir le point de TP qui est juste dedans. Ouais, qui est là. Excellent. Bon, bah, on n'aura pas battu le boss que je voulais dans cet épisode. C'est pas grave, on a fait des choses quand même très chouettes. Point technologique obtenu. Allez, on rentre à la... On rentre ici. J'ai l'impression de voir un mode appliqué au jeu Elden Ring. Oula. Pourquoi? Alors, le métal, je vais aller le mettre là-bas. Ok, 27. Oui, c'est 2 par 2. Et normalement... Ah bah, tu le fais avec moi. Vas-y, c'est très bien. Vas-y, méga sphère. Bonjour à ceux qui débarquent. Bah, vous arrivez sur la fin de l'épisode. Alors, il faut que je répare mon arme. Absolument. Ouais, mais t'inquiète pas, on en refait tout à l'heure. Ce soir, on stream aussi, donc t'inquiète. T'inquiète pas pour ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fini mon harnais ou pas? J'ai même pas checké. Peut-être. Je suis pas sûr. Alors réparer. Oui, il me manque du bois. Comment il peut me manquer du bois? Pas possible, il manque du bois, les gars. Attends, pourquoi je peux pas avoir la caisse qui est là? Ah, c'est agaçant. Oui, la base, elle est au niveau 11. Elle a grandi largement, oui. La base, elle est au niveau 11. Ouais, ouais. Pourquoi je peux pas le mettre là? Je suis à 902. Ah, peut-être que si je me claque ça, je vais aller mettre le bois ici. Après, j'ai utilisé... Pourquoi j'ai utilisé le bois? Sérieux? Tout a été utilisé en bois? Mais c'est un délire. C'est un délire, ça. Bon, il faudra qu'on fasse, de toute façon, dans le prochain épisode, absolument, t'as les graines de blé, qu'on fasse l'arme. On va enfin faire des armes. Excellent. Excellent. Alors, ça, c'est bon. Il y a quoi là-dedans? Ah ouais, c'est là. La hache qui est là. Ah, établi pour armes. Voilà. Produire des armes et des munitions, c'est ça. Ici. Oh là là. C'est ouf. C'est ouf. Vas-y. Oh. Attends, j'ai trop hâte. Excellent. On va enfin pouvoir faire des armes. Un prochain épisode dédié aux armes à feu et aux boss. Obligatoire. Obligatoire. C'est obligé. On ne peut pas faire autrement.
Allez. J'aime bien le petit à petit avancé qu'on voit comme ça. Ah, je veux juste voir ce que c'est. Ah oui d'accord, en fait je peux faire toutes les armes ici, dont le fusil à mousquet. Et il nous faut de l'huile de palme. Ah, oh, je sais pas où est-ce qu'on chope. L'huile de palme. Peut-être ça qui... L'huile de palme. Je sais pas où est-ce que je chope de l'huile de palme, punaise. Ah, oh, je sais pas. Crotte. Ah, je sais pas, Anna. Bon, c'est pas forcément... pas forcément intéressant, je pense, pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Zut, qu'est-ce que j'ai... J'ai stocké mon pal. Il est où? C'était lui, non? Bah attends, j'ai lui, sinon. Attends. J'ai lui, et à ce moment-là, je vais prendre lui à la place. Voilà, 19. Ouais, oh, on commence à avoir une équipe de ouf. On commence à avoir une équipe de ouf, là. Alors, attends. Améliorer le camp. Oui. Et on va mettre à travailler quelqu'un pour le bois à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour le bois. Hein. Voilà. On va faire un petit dodo. Et normalement, il y aura ce qu'il faut. Oh, il y a du monde. Hein. Il y a du monde au dodo. Juste pour voir. Est-ce que... Oui, alors je perds de la vie parce que je me suis brûlé, évidemment. Voilà, très bien. Là, c'est bien. Regarde, là, ça bosse. Là, ça bosse. Là, on va avoir du bois. Là, on aime. Ça, on aime. Il n'y a plus personne qui bosse ici, par contre. Attends, le harnais, il est toujours pas fait. Bon, on verra demain. Ok, on verra sur le prochain épisode. Là, il y a des pierres. On va les mettre là-dedans. Bon, du coup, les pierres, on en manque un petit peu, peut-être. Là, il y a des œufs qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des petits plats. Ah, on peut faire des plats comme ça. Vas-y, je vais faire le plaque ici. 9 bacon, très bien. Et grillade. Voilà. Ok, et eh bah ben, très très bien ça. Alors regardez l'XP qui est en train de monter du coup. J'aime mon XP qui monte comme ça. L'exploitation fonctionne très très bien. Bon par contre le mouton là, ça sert plus à rien. On a suffisamment de laine, c'est bon. Vas-y viens là, c'est bon, on a plus besoin. Attends, je vais virer le mouton. Juste comme ça, virer le mouton. Voilà, allez hop, tu dégages. Et à ce moment-là, on va peut-être mettre quelqu'un pour les pierres. Qui on a pour les pierres? Ah, là, je l'ai vu. Là, lui. Le tomba. Ah oui, j'ai chopé un tomba, c'est vrai. C'est vrai. Ah ben voilà. C'est ça qu'on veut. Bon bah écoutez, je pense qu'on manquera pas de ressources, hein. Excellent. Le camp tourne. Le camp tourne bien. J'ai l'impression. Et bah écoutez, je vais faire ça. Ah, c'est dur de s'arrêter sur ce jeu. C'est très très dur. Oh là. Bon écoute, vraiment, ça sera un épisode dédié. Genre, la miniature sera genre un cerf qui tape un arbre, je trouve ça joli. Le bandit, je l'ai pas encore utilisé, faudra qu'on voit dans le prochain épisode. Mais là, dans le prochain, déjà, on pourra enfin faire des armes à feu si je trouve où récupérer l'huile. De l'huile, pour ceux qui ont la ref. Si vous avez pas la ref, c'est bien triste quand même. Je peux mettre mes graines. Ah bah là, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une invasion, je peux te dire que le camp, là, y a pas de soucis. Hein. Ça va attaquer, hein. Ça va attaquer fort même. Et donc là, ils viennent récolter les graines normalement. Ok. Bah, d'ailleurs, il y a dû avoir une invasion. Puisque je récupère des graines aussi. Oh, le camp fonctionne tellement bien. C'est trop cool. C'est trop chouette. Ok. Bon. Et bah, fin de notre épisode pour aujourd'hui. Qui était un peu long. 54 minutes, c'est bien.